השמיני, דף פ"א, עמוד א'. ויתיים שפיז, ביותחתי שבת, לפאז' ס'קטרואן א'. Nous sommes au début de la page de la nouvelle Mishnah. Ce cours est Yerfouat ou la Tzlachat. Kol Holi Amo Yisrael Bichlalam Tocham Shlomo Raphaël Beni Moshe Maurice Ben Sara Yano Moshe Amselem Ben Rachel et Rachel Bat Hanna. השם ישלח להם רפואה שלמה, אמן כן יהי רצון. זוהי בת נטלי פלורה. כן. זוהי בת נטלי פלורה. בת נטלי פלורה, שישלח לה רפואה שלמה. אמן. עצם כדי לעשות תרווד. רבי יהודה אומר כדי לעשות ממנו חף. עצם זה לא סביר כולו סיפור סביר פופר. זוגלי אונפי בוקו דוגלי אבק לוס. לא סיון דו סורטיר. Dos Shabbat, quelle est la quantité minimale pour qu'il soit mitchayev? Hatat, s'il le faisait d'une manière, vishgaga, alors, Tanakama dit la asot tarvad, pour faire tarvad, c'est une cuillère. Asot mimenu tarvad. רואה את קוייר. רבי יהודה אומר, כדי לעשות ממנו חף. רבי יהודה ידי פופר דו לוש דון דו קלי. לדון דו קלי. הקלי היא דון לטון la serrure soit été même maintenant il y a des dents dans la clé quand on la rentre et les dents s'incrustent dans d'autres dents qui sont en relief et en tournant ça ouvre ou ça ferme. Alors il y a la clé et les dents. Les dents, n'est-ce pas, on les fait avec l'os. Qu'est-ce qui est plus grand, la dent de clé ou bien la cuillère? La cuillère. La cuillère. Ça. Alors, on va voir. On va voir la Mishnah. Si on jugeait avec toute la clé elle-même, pas seulement les dents, la clé est plus grande que la plus grande. Je sais pas si vous vous rappelez les grandes clés. Les clés d'avant là. D'avant. Ouais. C'est pas... Les clés de la ville aussi, non? On disait les clés de la ville. Est-ce qu'il y a réellement des clés de la ville? C'est des clés. Je me souviens de certains textes en histoire où. Des clés symboliques. Oui, les clés symboliques. Il y avait des... Contrôle de la ville. Voilà. Des portes. Des portes, oui. Zéchouchit. Le verre. Kedé ligror bor rocha karkar. Zéchouchit, c'est la. Le verbe, schuchit, le verbe, que j'ai l'igror afin de gratter,
de gratter, c'est-à-dire de tailler. Rosh HaKarkar, c'est comme un bâton, n'est-ce pas, qui est très pointu et dont ils se servent les tisserands, ceux qui tissent. Et ils tapent avec ça, n'est-ce pas, ils tassent. Ils tassent le tissage. Seror o even. Seror, c'est quoi? C'est un ensemble de pierres, ou bien even, ou bien une pierre, que des nizrok bauf, afin de gratter, de lancer. Gratter, n'est-ce pas, à un oiseau. Quand on veut faire fuir l'oiseau, on lui jette une pierre. La Béhouda, Baruch Abba, le Choméa. La Béhouda, Choméa, le Choméa. רבי אלעזר בר יעקב, אני שם קומפרמפה דבור, שאתה אנטנה עודי פאבר, עודי בן, טובה? On connaît Rabbi Eliezer ben Yaakov, mais pas Rabbi Elazar bar Yaakov. C'est écrit entre guillemets dans ma traduction, Eliezer, effectivement. Vous voyez? Voilà. Bah, je n'en ai pas dans ma traduction, dans ma version. Moi, je l'ai entre deux accolades, en fait. Ce n'est pas des parenthèses, c'est des accolades. Des accolades, ça veut dire, c'est ce qu'il faut dire. C'est ce qu'il faut dire, exactement. Entre deux crochets. C'est pas entre deux crochets, exactement. Donc, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Je ne connais pas du tout Rabbi Eliezer bar Yaakov. Omer, kedel lizrok babema, afin de jeter sur une behema, c'est-à-dire une pierre elle doit être assez volumineuse qui puisse faire fuir une behema, faire bouger une behema, tandis qu'un oiseau avec une petite pierre. Vous connaissez l'histoire du têtu? Hein? Pas encore. Oui, vous allez la connaître. Une fois, Mendes France, il a fini de négocier avec Churchill. Il dit, vous connaissez l'histoire de l'Irlandais qui a fait un cadeau à sa belle-mère? Il a dit non. Il a dit, vous ne la connaîtriez jamais. Ils ne font pas de cadeaux. Du tout. C'est des gens qui ont vécu à Meknès, peut-être, non? Ça y est. Celui-là qui a vu un oiseau perché sur un arbre. Alors, il dit à son ami, dis-moi, qu'est-ce que tu vois là-bas? Alors, il lui dit, je vois un oiseau. Il dit, non, c'est une chèvre. Il dit comment une chèvre? Il dit c'est un oiseau. Chèvre, oiseau, qu'est-ce qu'il a fait celui qui avait dit oiseau? Il prend une pierre, il la jette, l'oiseau s'envole. Il dit tu vois, il s'est envolé, c'est un oiseau. Il lui a dit au khatart, maza. Même si il s'est envolé, c'est une chèvre. C'est une chèvre.
לא מוותר. אז הוא רואה תיצ'ו, הנה תיצ'ו, תיצ'ו. עם שברה וגדזל. טוב. סבבה פה למשנה? לא, לגמרה. לממרא דשעורא דרבי יהודה נפיש. Est-ce que de là on peut dire que le shiur de Rabbi Yehuda est plus grand que celui des Hachamim? Parce que qu'est-ce qu'on a compris? On a compris Haf. Haf, peut-être c'est la clé elle-même, pas les dents de la clé. Ça va? Alors, donc il dit les Mimra, par rapport à ce que les Hachamim ont donné comme shiur, pour le Haïtsem, Shiur du Haïtsem, c'est faire une cuillère, de quoi faire une cuillère. Et alors, on va dire que le Shiur de Rabbi Yehuda est plus grand que celui de Hachamim. Hakaimalan, le Shiur de Rabbanan affiche. On a déjà l'habitude établi et la règle est que la mesure des Hachamim, par les Hachamim est toujours plus grande. Grand. Tandis que Rabbi Yehuda, quand il a dit un gemi, la soute laï, c'est-à-dire une pièce sur la nafa, okay? Tandis que les harmim, c'est de quoi accrocher la nafa, un crochet ou un clou. Amar oula, hafé potahat. Non, le shiur de Rabbi Yehuda est toujours moindre que celui de Hachamim. Et quand il a dit la sot mimeno haf, c'est pas du tout toute la clé. C'est juste les. Et la hafé potahat, les dents de potahat de la clé qui ouvre. Et les dents de la clé sont moins que la cuillère. Pas que la cuillère. Et donc, le shiur de Rabbi Yehuda est un shiur moindre que celui de Hachamim. Ça va? C'est Oui. Clair? Top. Et les dents sont la clé. Comment? À quoi ça sert les dents sont la clé? Pour les souder sur la clé. Pour les souder sur la clé. Si une dent elle est tombée dans la clé, c'est collé à la clé. Tu dois la remplacer. Ah, c'est pas collé à la clé. Comme nos clés à nous. Elle ne casse pas. On n'arrive pas du tout qu'elle casse. Si elle casse, elle n'est plus clé. Il faut l'ajouter. Mais il faut la ranger, il faut mettre une autre dent à la place. Ah, ok. 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 Okay. On est plus hacham que les hachamim. Non, pas ces clés-là. J'ai lu la première clé qui a été inventée il y a 4400 ans, en bois. Il y avait au Maroc des clés en bois. En bois, elle était. Oh, au Maroc, 4400 ans. En os, surtout. ברוך אתה אדוני אמן תנור רבנן חפה פותחת תאורין כבען בפותחת כמעין הברייתא דין, חפה פותחת, לדון דין כלי, תאורין, ישום פיור, כסדיר פיור, לא קונטרקט פעד לתומה, פסקו... נשאר בריאה.
parce que là-dedans, elle doit faire corps de la clé. Mais tant qu'elle ne fait pas corps de la clé, en ce moment, elle n'a pas du tout de... ça devient un pshuté qu'elle est à ou un pshuté qu'elle est à. Il n'est pas du tout formé comme un keli. Et le Aetsem, c'est comme toutes les autres matières. Tant qu'il n'est pas keli, il n'est pas... Kabel Touma. Il n'est pas Mekabel Touma. Ça va? Maintenant, Keba'an va potahar. Il les a placés dans la clé. Les dents, il les a placés, il les a fixés. Temein, ils deviennent... Keli. C'est-à-dire, ils sont recevables, capables de recevoir la Touma. La Touma. Non, capables d'être Temein. Shelgan, Afalpi, Shehi, Beran, Vadele, Vikiva'an, Vimasmerim, Théorim. Shelgal, Gal, c'est une grande porte. On a vu lorsque Rabban Gamliel, il y avait un certain moment un souffle de révolte contre lui, contre Rabban Gamliel, Rabbi Yehoshua ben Hanania, n'est-ce pas? Et alors il a dit, une fois qu'il est rentré pour pouvoir attraper Rabbi Yehoshua ben Hanania, il a dit Goulou, Trouko, Goulé. C'est-à-dire, il faut galer, Trouko, galer. Il faut fermer les portes. Bien que personne ne vienne ou que personne ne rentre. Alors, Gal, c'est une grande porte. Gal. Michel Gal, si c'est la clé de grande porte. Même qu'il les a fixés, il les a attachés à la porte, il les a fixés avec des clous, théorin, ces clés sont théorin. Pourquoi? Parce qu'ils deviennent mechoubarot. Adelet qui est mechouberet la karka, et tout ce qui est mechoubar la karka n'est pas mekabetouma. Le karka lui-même n'est pas mekabetouma. Alors tout ce qui est mechoubar la karka est non mekabetouma. Le ground. Ça nous rappelle la fois où l'homme devait prendre quelque chose du sol et on s'était posé la question de savoir si c'était tamé ou pas. Il avait pris des feuilles qui faisaient partie de la terre, si je me souviens bien. Bon, plus ou moins. Vous faites référence, mais en tout cas, tout ce qui est attaché n'est pas mekabetouma. Une fois qu'il voilà. Est attaché, il est mekabetouma. Voilà. Ils sont après. C'est quoi ces clés attachées à la fin? La clé, elle est tellement grande. Oui. Mm-hmm. Qu'elle est raccrochée et attachée là-bas, on ne la transporte pas. On ne peut pas la transporter. Okay. Il y avait dans le temps des clés comme ça, grandes, pour des magasins. Ouais. On les transporte, mais les clés de porte, les portes sont lourdes. Et la clé, elle est importante, elle est par rapport à la porte qu'elle ouvre. Alors, c'est sûr que tu ne peux pas du tout transporter pendant longtemps un kilo et demi de clé. C'est lourd. Okay. Comme dit le Malvim à la Shalom, il dit. Euh,
Massa, Akadosh Baruch Hu, il dit à Am Israël, Torchachem ou Massaachem, votre manière de, d'être matriachoti, de me faire de me troubler. Massaachem est votre, votre poids, le poids que je supporte. Il dit, c'est trop grand. Je ne peux pas le supporter. Nil et Yeneso. Je suis là de le transporter. Alors il dit, le Bibi, alors il dit comme ça. Il dit, des fois, le poids est léger, mais si on le transporte longtemps, il devient lourd. Ouais. Et si le poids est lourd, et transporté pendant juste quelques minutes, on ne peut pas le transporter. Parce que le poids lourd, même si la distance est petite, devient lourd à transporter. S'il est léger, mais on le transporte longtemps, il devient lourd. Ayo alay le Torah, il est yeneso, je suis là de transporter. Voilà. Donc, ces clés sont tellement lourdes qu'au lieu de les transporter, on les laisse là-bas de manière à pouvoir ouvrir avec. Donc, du fait qu'ils sont mehoubar la karka, ils sont considérés comme karka, et du fait qu'ils sont considérés comme karka, ils ne sont pas mekabelim, tum'a. On a dit zechuchit, kede ligror bo. Pourquoi on l'appelle zechuchit? Zechuchit, la chan zach, zaka. Et en arabe, on dit Zaj, Zach, Zechuchit, Zagagit. Ça va? Zechuchit, Kedeli Grorbo, pour gratter. Gratter, c'est-à-dire on enlève de l'épaisseur en grattant. Tana. Sechuchit. Pourquoi on l'a appelé Sechuchit au lieu de Zechuchit? Milashon Soche. Soche. Iska. Iska. Avi. Iska. Sarav et Avi. Iska. Iska. Iska, c'est Yesocha. Berouah HaKodesh, Soche. Avi Milka. Avi Milka. Avi Milka. Milka Avi Milka. Sarah s'appelait Iska. Ken, princesse. Non, Iska c'est Nevoa. Elle avait la Nevoa. Elle avait des visions prophétique. J'ai pas compris Avi Milka, Avi Iska. C'est quoi la référence? Iska, c'est Sarah Imen. Oui, ça j'ai compris, mais Milka. Il a dit Milka Armand tout à l'heure. Oui, Milka. C'est la sœur de Sarah Imen. Ah, ok. Et Milka, c'est elle qui a eu à Betuel Rivka. C'est quoi la référence? Il y a des références. Dana, c'est pour cela qu'on appelle Souka aussi, Milashon Sachor. Et Milashon aussi voit. Voilà qu'il faut, certains ils disent, il faut voir les étoiles à travers. Schach. Schach.
תנא זכוכית כדי ליצור הבא, שני נימין כאחת. זכוכית, זה מורסו דובר, כדי ליצור הבא. פן דקופה, לפצוע, זה דקופה, פשוט פצע, פצע, זה כבר פצע, זה בלסה. Bien sûr. Et ça vient de mot comme s'il y avait péta pour ouvrir. Coupé, qu'un péta, péta, qu'un que des lifts à bas pour couper. Chne ni min qui a hât deux fils qui a hât en même temps. C'est-à-dire, c'est pas du verre qui n'est pas assez résistant, il doit être assez résistant pour pouvoir et fin pour couper deux fils qui servent, n'est-ce pas, némine qui servent pour le tissage. Ça va, Moshe? Moshe, ça va? On est bien. D'accord. Seror. O Eben. Kedei lizrok ba'ov. Seror, c'est-à-dire un poignet de pierre. Ken. O Eben, ou bien une seule pierre. Kedei lizrok ba'ov, pour faire fuir un oiseau en envoi. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit behema, c'est de quoi faire, de quoi envoyer une behema, c'est-à-dire c'est plus volumineux, c'est plus important. Un mot à propos de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Vous devez savoir que Rabbi Eliezer ben Yaakov, chaque fois qu'il est mentionné à propos d'une halakha, la halakha est comme lui. La halakha est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Il dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, Mishnato Kab Benaki. La Mishnah de Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Eliezer ben Yaakov, elle est Kab. Kav, c'est, on a dit, droite. C'est un sixième de CA, un sixième de CA. Kav, ben Naki, et Naki, c'est-à-dire elle est pure, ça veut dire que l'alakha, c'est d'une limpidité extraordinaire. Bon, les Hachamim ont dit, Rabbi Eliezer ben Yaakov s'est exprimé à propos de 102 halakhot. 102 halakhot. Kav. Kav venaki. Les halakhot de Rabbi Eliezer ben Yaakov sont kav, sont 102, venaki et pur et clair. Vous avez des circonstances atténuantes parce que vous êtes chez vous et autrement vous aurez tiré les oreilles. Vous parlez à moi, Rabbi? À moi, il parle rien qu'à moi. Et Rabbi, vous me tirez l'oreille quand je vous vois à Montréal. Les deux. Aujourd'hui, nos amis sont pas là. Mon confinement. Ils se préparent pour le couvre-feu. Ouais. Amar Rabbi Yaakov.
אמר רבי יוחנן, והוא שמרגש את בה, אלי אין אבן קונפרן בהמה, רבי יעקב, רבי אליעזר בן יעקב, אלי, נו, אבן, אבן, פור שאין בהמה, כדי לזרוק בבהמה. בא רבי יוחנן, אלי, שאונוד רבי יעקב, אמר רבי יוחנן, והוא שמרגשת בה, סדיר מרגשת, כלה, סדיר שאון לי עולב, שאון לי ג'ט, מרגשת אל בה סורנט קונט, אל בה לסנטיר. לסנטיר. לסנטיר, לאמפקט. סנטיר, ואלה. רגש. רגש, מלשון רגש. רגש. כמה שיעורו, כלאלו שיעורו סואבן, תניה, רבי אליעזר בן יעקב, תוז'ור, קוריג'ה לדון, זה סרטן. זה נקריא בן או לא נקריא בה? מתנן זה בן, ווייה. דונק ירנק לא יוד גימן. שבר, ודיבו ידי בר. Au barré le bar. Et là, ils ont corrigé en mettant Ben. Quel est le chiour d'une pierre pour faire fuir une béma et qui puisse, n'est-ce pas, que la béma puisse la sentir. La béma, elle est plus corpulente. Un oiseau avec une petite pierre, et même pas avec la voix, avec la voix, avec juste un bruit quelconque, l'oiseau il s'en va. On n'a pas besoin. Pour un animal, c'est pas pareil. L'animal, la BMA, elle est plus corpulente. Il dit Omer Mishkal Asara Zouz. 10 Zouz. Oh, le Mishkal, le poids. De Asara Zouz, de 10 Zouzim. C'est 10 Zouzim, c'est un dixième de Mané. Ken? Mané, c'est Mea Zouzim. Mishkal Mané. On connaît le Mishkal Mané, Asara Zouz, c'est un dixième. Jusqu'à présent, aucune difficulté, Rabotai. Oui. Quel est le Mishkal avec nos termes Rabbi en grammes, si on connaît le Mané? Non. Sarazul, ça veut dire à peu près, je dirais 20-25 grammes. זונין על ליבים מדרישם. זונין זה לשם, זה לנום דחכם. אלא הייתה עובד המדרש. אלא פוזן קשטו. אמר להו, לרדי רבותיי, אבנים של בית הכיסא, Shoran Bekama, les pierres que l'on prend, même Shabbat, on doit les prendre parce qu'ils se nettoyaient avec des pierres quand ils étaient aux toilettes. Après, ils se nettoyaient avec une pierre. Alors, il dit Shoran Bekama, c'est quoi leur mesure? Un rouleau, Kazaït. Kegoz Khabetsa. Il y a trois pierres. Une pierre Kazaït, c'est la première, il se nettoie avec Kazaït pour ne pas du tout
salir. Se salir tout autour. Ken, kazaït. Ensuite, kegos, comme une noix. C'est pour finaliser un petit peu le nettoyage. Et kabetsa, c'est pour bien nettoyer. Amar Léo, il leur a dit, Vichy Tourtani Yachnis. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Vous me donnez Kazaït, Kegoz, Kabetsa. Est-ce que vous voulez que l'homme il rentre aux toilettes avec une balance? Il faut qu'il amène une balance pour trouver le premier qui est Kazaït, le deuxième qui est Kegoz et le troisième Kabetsa. Ça veut dire ça. Donnez-moi une mesure. Mesure qui est conventionnelle, universelle. Nimnu vigamru melo hayad. Alors, il les a obligés à faire un vote, c'est-à-dire chercher un consensus. Et ils ont dit, les trois pierres, si les trois ensemble, Melo Hayad remplissent la main. Il faut que ces trois pierres, à elles, trois, remplissent la main, Melo Hayad. Tania. Rabbi aussi Omer, Kazaït, Kéoz, Bechabetsa. La Braïta dit au nom de Rabbi aussi. Rabbi aussi dit Kazaït, comme on a dit, ce qu'ils lui ont répondu dans la Beit HaMidrash, il faut trois sortes. Une, Kazaït, c'est la première. L'autre, Kéoz, comme. Et on sait que le Egoz, la noix, c'est moins que Bessa. Ça va? Comment? Egoz, c'est plus que Kazaït. Egoz, c'est plus que Kazaït, c'est moins que Kabetsa. Kabetsa, c'est la plus grande. On a cette mahloquette dans le etrog. Etrog, c'est-à-dire quel est le poids d'un etrog. Il y a certains qui disent kegoz et d'autres kabetsa, mais pas kazaït. Etrog pour faire les néanoïm avec le loulav et le etrog, l'etrog devrait avoir ken. Rabbi Shimon Berabbi Yossi, Omer Mishum Abib. Qui c'est Abib? Rabbi Yossi Ben Abib. Yehuda Nassi. Abib. Abib, le père de. Il avait un fils. Shimon Berabbi Yossi. Le père de Yossi. Le père de Rabbi aussi. Le père de Rabbi aussi. Quoi? Yossi, c'est le père. Rabbi aussi est le père de Rabbi Shimon. Voilà. Et pourquoi je vous demande cela? Parce que tout de suite, on vient de dire que Rabbi aussi dit Ken, Kazaït, Kegoz, Kabetsa. Tandis que Rabbi Shimon dit au nom de Rabbi aussi, c'est-à-dire au nom de son père, il dit ceci, il chouette. Meloayad. Meloayad, comme on a répondu dans la Beit HaMidrash. Dans Beit HaMidrash, on a dit finalement, Nimlou et Gamrou, ils ont voté, ils se sont consultés et Gamrou, ils ont décidé qu'il faut que ce soit les trois, quand il les prend ensemble,
qui remplissent la main. À Botaï, si jamais il y a des questions, c'est le moment de le dire. Je ne vais pas entreprendre nouvelle. Comment on met le Hayad? Les trois en même temps? Les trois en même temps, il les prend, ça lui remplit la main, la poignée. La figue est plus grande que le kazaït? Comment? La figue est plus grande que le kazaït? Oui. Et moins que le kabet. Très deux, ok. Maud. Est-ce que le Melo Hayat, c'est n'importe quelle main ou bien. Parce qu'il y a une main grande, une main petite. Non, moyen. Moyen. Pas d'un géant. Pas la main d'Og, mais la Khabashan. Ah oui. L'imperateur seul, il est connu des mains. Ils vont dépasser cette quantité. Une fois, j'ai vu à Paris, dans le cirque de Moscou, ils ont amené un phénomène. Il y avait au moins 3 mètres de taille. On s'est mis, on venait à peine moins que la taille quand on s'est mis à côté de lui. Un fort, un homme. Peut-être c'est un chéri d'Anakim. Le reste, oui. Lui seul, il faisait un spectacle. Laura Botaï, y a-t-il des questions? Ne me dites pas demain, je n'ai pas compris ceci ou cela. C'est le moment de le dire. Laura Botaï, y a là. Merci, Rabbeinu. Pour la mitzvah.